Avec 30 secondes d'avance. Bon, on va quand même commencer si vous voulez bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient pressés de nous retrouver. Les intuitifs sont toujours en avance de toute manière d'ailleurs. C'est pour ça qu'on commence par eux cette semaine. Donc, bonjour à tous, il est midi pile. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Rogeau. Salut les filles, salut Nicolas. Salut. Bonjour à toutes. Bien, aujourd'hui on reparle du thème des hauts potentiels. En discutant, on s'est dit qu'on allait un peu élargir parce que ce thème-là, il peut être un peu réducteur. On va parler de tous ces gens qui sont très intuitifs, tous ces émotifs talentueux, comme nous a dit Nicolas, qui se retrouvent avec beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément de ce qu'ils vivent actuellement pendant le confinement et comment ça va se passer le déconfinement. Avant ça, on va demander à... C'est qui fait le mime de début? Natacha. Faire la même de début. Alors là, les enfants, ok, d'accord, vous allez reprendre l'école, ok, ça vous gonfle, je comprends. Moi, c'est pareil. D'ailleurs, moi, franchement, j'ai absolument, absolument pas du tout envie d'avoir ce déconfinement. Ça m'est... Wow. Attendez, je vais voir ce que ça fait dans mon corps. J'ai le crâne qui va exploser. Là, c'est léger, mais c'est bien présent. Là, il y a un truc. Je laisse évoluer. Je suis avec mes mains là pour voir où ça en est. Ça s'apaise. Ouais. Ouais, le déconfinement, c'est sûr, il va falloir qu'on l'aborde, hein. On va regarder ça ensemble. Donc en fait, là, dans la situation que tu as mimée, tu montrais une mère et son fils, ou sa fille, si j'ai bien compris, et en fait, qui vivaient plutôt bien le déconfinement. Et ce qui serait intéressant qu'on puisse voir, c'est Non, en en fait, fait, ça les gonflait. le confinement, et qui du coup angoissait par rapport au déconfinement, ouais, quand on perd ses mots jusqu'au bout, hein. Mais de pouvoir expliquer un petit peu en quoi certains enfants, certaines personnes étaient plutôt bien confinées, et en quoi ça peut être angoissant, perturbant, émotionnellement difficile d'anticiper et de préparer le déconfinement qui est plutôt imminent. Voilà. Moi, je peux répondre à ça, je peux répondre à cette question. Hein, qu'effectivement, le confinement a été assez positif pour un certain nombre de personnes, et notamment les intuitifs, ou vous les appelez comme vous voulez, hein, parce qu'ils ont pu, ils sont sortis du cadre qui était une contrainte pour eux. Ils ont pu éventuellement exprimer leur créativité vraiment comme ils l'avaient envie, donc plus dans le cadre pas comme dans le cadre de l'école, hein, notamment. Le sentiment d'injustice qui est assez important chez eux, ils ont pas eu à le subir parce qu'ils n'avaient pas la contrainte éventuellement des petits camarades. Hein. Les sens qui étaient exacerbés, notamment hyperesthésie, hyperacousie au niveau du bruit, hein, ils ont pu subir cette perturbation hein, non plus, ou beaucoup moins, à moins d'avoir vraiment beaucoup de frères et sœurs et d'être soit compliqué. Mais donc ça, c'était très reposant aussi. Hein. C'est des personnes qui éventuellement ont besoin de se retrouver seules. C'était parfait pour eux. Hein. Et puis, notamment, le côté suradaptation qui est extrêmement fatigant. L'élève, que ce soit adulte aussi, mais élève docile, hein, qui fait ce qu'on lui demande et qui du coup se suradapte, hein, ça, c'est quelque chose qui est aussi fatigant. Donc, tout ce qui va, le confinement, pour eux, c'était vraiment parfait, quoi. Ok, et dans quelle situation ils peuvent réguler? Qu'est-ce que tu penses en fait comme perturbation ils peuvent réguler les intuitifs? Aujourd'hui, à l'idée de sortir du confinement, on s'entend, c'est effectivement de se dire, mince, je vais devoir sortir du confinement, je vais devoir retourner voir les profs, je vais devoir retourner dans le bruit, je vais devoir retrouver tel et tel sentiment d'injustice parce qu'il y a tel et tel groupe qui ne me convient pas, ou telle et telle personne qui me chahute, ou je vais devoir me réadapter, je vais devoir faire... des activités manuelles qui ne me plaisent pas du tout. J'ai de redevoir faire du graphisme et le graphisme, ça m'agace parce que c'est trop lent. Moi, j'ai besoin que ça aille vite. Enfin, voilà, il y a un paquet de choses qui peuvent susciter de l'émotion et de l'angoisse chez les enfants, mais aussi, je pense, chez des adultes, reprendre les transports, devoir être sollicité en permanence ou par le téléphone, par des collègues, etc. Voilà, tous ces exemples-là, je pense, répondent
font qu'on peut avoir un besoin de régulation dès maintenant. Rien que d'y penser, en fait, finalement. Et on peut aussi rajouter le besoin de perfectionnisme qu'ont les hauts potentiels, et notamment sur le fait de devoir respecter les gestes barrières qui peuvent être très angoissants pour eux, de savoir est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils ne vont pas y arriver, et s'ils n'y arrivent pas, du coup, peut les mettre dans des vrais états d'anxiété. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, ils peuvent réguler quand les hauts potentiels ? À chaque fois qu'ils pensent ou qu'ils anticipent une pensée ou qu'ils ont qu'ils programment en fait la manière dont ça va se passer à partir de lundi, quoi. Dès qu'ils ont des pensées, ou même ça peut être des enfants aussi qui ralentissent ou qui changent de comportement cette semaine parce que justement ils sont dans ce cheminement mental et ils ne l'expriment pas forcément, mais ça peut être un enfant qui parle moins ou différemment ou qui est plus speed ou plus lent, mais qui vont changer leur comportement, s'éteindre ou être très, très nerveux. Et je pense qu'il y a plein de, petits signes physiques, comportementaux qui déjà trahissent cette anxiété, même si elle n'est pas forcément nommée, d'avoir à reprendre le chemin de la vraie vie lundi, quoi. C'est des personnes qui vont parfois aussi essayer d'anticiper en y pensant beaucoup à l'avance, en parlant beaucoup à l'avance, pour ceux qui en parlent, parce que parfois c'est le contraire. Mais finalement, quand l'enfant commence à se dire « bon, alors je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça », là, il est en train d'essayer de trouver un moyen de contrôler ce qui va se passer. Et peut-être là… Il peut se rassurer. Il est en train d'essayer de lutter et de trouver des réponses pour contrôler les blocages émotionnels. Ça peut être un bon moment pour lui dire, attends, avant d'essayer tout de suite de l'aider à contrôler et de l'aider à mettre en place ses moyens d'adaptation, peut-être que c'est le bon moment pour lui dire, là, attends, ferme les yeux. Tu reprends la dernière fois, là, au pédonaire, il y est dedans, quoi. Hein. Je pense qu'avec l'hypersensibilité qu'ils ont, c'est des personnes qui appellent, elles y pensent, les situations sont là. C'est comme précisément s'ils étaient en situation, quoi. Donc ça peut se faire dès qu'ils commencent à mettre en place ce qu'ils avaient mis en place avant pour pouvoir s'adapter ou se suradapter, justement. Par contre, comme ils se suradaptent tout le temps, en fait ils peuvent passer, ils peuvent ne pas voir le coche. Je parle surtout des enfants parce qu'en fait ils ont cette habitude de se suradapter, et je pense que la vigilance des adultes peut permettre d'aider les enfants à choper cette transition où ils tombent dans la suradaptation, c'est-à-dire que ce réflexe-là, ils l'ont depuis toujours, de se suradapter. Donc en fait, dès qu'ils vont être submergés, ils vont avoir tendance à mettre en place tout leur système de réassurance, de défense, en se suradaptant, mais ils se suradaptent à eux-mêmes, en fait. Et je pense que les adultes autour, dans leur tentative de gestion d'émotions, en fait. Mais c'est que de la gestion, et ça va péter à un moment. Et je pense que les adultes, ça peut être intéressant. Les adultes qui sont autour, là, ils ont vraiment un double rôle. Ils ont le rôle à la fois de mettre en évidence quand l'enfant peut le faire, parce que souvent, les enfants, ils ne vont pas le voir, effectivement. Ça va être à l'adulte autour d'être vigilant, puis de lui dire, tiens, là, tu peux faire. Et puis, l'autre rôle, c'est de montrer l'exemple, comme on a fait voir au départ, quoi. Parce que c'est par là aussi que l'enfant, il va avoir un modèle qui va lui permettre de rentrer dans la résiliation. Nicolas, tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement qu'est-ce qu'ils mettent ces enfants en place, ou ces adultes, hein, parce que je pense que les adultes qui suradaptent, eux, c'est totalement intégré. Donc, ils en rendent encore moins compte, ils en ont encore plus besoin, je dirais. Mais qu'est-ce qu'ils mettent en place justement pour pouvoir s'adapter? Quels sont leurs moyens à eux et qu'on peut repérer pour leur dire, tiens, tu es en train de faire ça justement, c'est peut-être que c'est le moment de réguler. Alors, le repérer, j'avoue que je ne sais pas. Pas forcément. Disons qu'on va le remarquer, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'ils vont commencer à devenir un petit peu nerveux. Hein. Ils vont avoir un changement de comportement. Je ne sais pas si la suradaptation est vraiment si facile que ça à repérer d'un point de vue extérieur. J'en suis pas forcément convaincu. Par contre, intérieurement, soi-même, on peut le ressentir. Et ce qui, moi, me paraît très intéressant, parce que l'adulte n'est pas forcément présent au moment où l'enfant va commencer à envisager, hein, le retour. Et le fait de dialoguer en famille, éventuellement que le parent dise « Tiens, on va revenir, on va retourner bosser, qu'est-ce que tu en penses ? C'est chouette, c'est pas chouette, comment tu ressens ça ?» Là, ça peut être intéressant, ce dialogue-là, et qui, lui, va peut-être générer des choses. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, l'exemple qu'a donné Natacha est très bon. C'est-à-dire parler pour soi, éventuellement, parce que le parent, il peut être aussi dans ce cas-là.
et exprimer clairement devant les enfants que, bah, que ça ne va pas forcément être si facile que ça, et demander à l'enfant. Et à ce moment-là, effectivement, l'enfant, s'il est là-dedans, ça va partir en émotion et il ne va pas pouvoir le masquer. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on arrivera à le savoir. Mais franchement, le repérer, ce n'est pas facile. Ils sont forts. Ils suradaptent, en fait, tout le temps. Et c'est intuitif chez eux de se suradapter. Mais par exemple, est-ce que quand ils se mettent à beaucoup parler, est-ce que ça peut être un critère? Ils étaient plutôt tranquilles, ils ne parlaient pas trop, et là, ils se remettent à parler beaucoup. Oui, ça peut être un changement de comportement, mais ça peut être se mettre à parler comme ne se mettre à plus parler, justement. Ça peut être tout le contraire. Hein. Ça peut être tout et son contraire. Hein. C'est, je commence à me refermer, hein, justement, pour ne plus exprimer, pour ne plus dire de bêtises, pour ne pas avoir tort. Ça peut être tout et son contraire, finalement. Donc, c'est plutôt globalement un changement, éventuellement, de comportement, sachant qu'on peut ne pas le voir non plus, parce qu'il peut y avoir un comportement à la maison, il peut y avoir un comportement à l'école qui n'a rien à voir, il peut y avoir vraiment deux suradaptations, une à la maison, une à l'école. Et ça peut très bien passer complètement inaperçu, hein, à la maison. Pour moi, le dialogue et poser la question clairement, ça peut être un bon point, vraiment. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Je pensais aussi aux parents qui finalement n'ont pas eu à soutenir leur enfant, parce que c'est pas facile, hein, de soutenir ses enfants dans ses gestions émotionnelles, et que ça s'est un petit peu calmé, et qui là ressentent, perçoivent que leur enfant recommence à monter en anxiété, et qui eux souvent tiennent en force, et qui là peuvent aussi peut-être réguler dans ces moments-là, quoi, pour se sentir moins débordés par le vécu émotionnel de leurs enfants, quoi. Et puis peut-être des émotions qu'ils perçoivent chez les enfants, comme notamment le découragement, peut-être pouvoir réguler soi-même sur la sensation de découragement, parce que c'est quelque chose que beaucoup de hauts potentiels et intuitifs vivent, quoi, se sentir découragé comme ça. Ah bah, de toute façon, vous l'avez dit dans de nombreuses vidéos, le parent se régule en premier. Ça c'est, je pense que c'est important de le redire. Hein. Par rapport à ça, par rapport à l'enfant, par rapport à ce qui peut se passer, le fait d'être complètement perdu, en panique, angoissé ou autre, on commence par se réguler soi-même, et après on pose la question aux enfants, tout à fait. Oui, et puis peut-être assurer l'enfant que je peux être très puissant dans ma capacité de raisonner et pour autant complètement débordé par les émotions. Un intuitif, ça a des domaines où il est très très fort et puis d'autres domaines où il est un peu moins bon et que c'est pas anormal, quoi. Alors, il n'est pas moins bon, il est bon différemment, si tu veux bien. Oui. Il est moins bon pour lui, parce qu'il était au top. Oui, tout à fait. C'est qu'il est moins bon, et ce qu'il vit, c'est pour ça que c'est intéressant ta réaction, c'est que ce qu'il vit, lui, c'est qu'il est moins bon. Et tout à fait, oui. Non, il peut justement percevoir ça différemment. Tout à fait, oui. Ok, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses là sur les intuitifs? À dire, pardon, sur les hauts potentiels. Est-ce que vous avez envie de leur faire passer des messages? Moi, je trouve très, très intéressant ce découragement, la notion de découragement, parce que justement, quand on est découragé, il peut être difficile aussi de résilier. Parce qu'on peut même être découragé de résilier. Je veux dire, mais de toute façon, ça ne sert à rien, ce truc-là, ça ne me sert à rien. Et d'où l'importance du dialogue, effectivement, parce que d'en parler à nos enfants, de dire que pour nous aussi, c'est compliqué la vie, et qu'on trouve cette solution-là et que ça peut nous aider pour aller plus loin, je crois que c'est souhaitable dans tous les cas, quoi. Le découragement, c'est une émotion saine, hein, à la base. C'est un moment où on arrête de penser, d'agir, de réfléchir et on est en train de ressourcer. On arrête d'être dans l'action, on est dans l'inaction qui va peut-être nous permettre de démarrer après. Et peut-être que pour un intuitif ou un haut potentiel, cet accès à cette zone de non-pensée, elle peut être un peu angoissante et anxiogène. Et du coup, on peut lutter contre. On lutte en pensant beaucoup, en agissant beaucoup. Et du coup, on ne peut jamais se ressourcer, on ne peut jamais recharger les batteries pour se remettre à penser de manière tranquille et sereine. Donc, réguler cette émotion d'écouragement, ça va lui permettre à l'enfant de la vivre, de recharger en étant plus dans le mental mais seulement dans le sensoriel pour pouvoir mieux redémarrer après dans le mental. Oui, et je rejoins Natacha sur l'idée du dialogue dans le sens où l'enfant est très intuitif, hein. Donc lui dire que tout va bien alors qu'il va ressentir que tout va pas bien, c'est pas une bonne idée du tout. Et ce côté découragement et du coup
perception négative de sa personne, il vient aussi de là. C'est qu'on lui dit quelque chose et lui, il ressent autre chose. Donc, il se dit, j'ai tort. Mes intuitions ne sont pas bonnes. Ma sensibilité n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'on me dit le contraire de ce que je ressens. Donc, c'est hyper important que l'adulte, hein, qu'il soit HP ou qu'il ne le soit pas, hein, exprime vraiment ce qu'il ressent et dise clairement, bah, moi, ça m'angoisse de retourner bosser, hein, pour telle et telle raison. Mais essayer de rassurer les enfants... Pour les rassurer, ça part d'une super bonne intention, mais là, ça fait plus de dégâts qu'autre chose dans ce cas-là, oui. C'est l'authenticité qui paye, quoi. Oui. Là, dans ce genre, il faut un espace d'authenticité pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse caler ses repères de manière okay. à pouvoir avancer, en fait. Super. Il est midi 15, je suis obligée de couper. Juste une petite phrase, c'est qu'en gros, la régulation émotionnelle, c'est difficile pour certains en potentiel, ils ont du mal à réguler, donc vraiment accrochez-vous parce que vous allez y arriver. Essayez de penser aussi, d'aller dans les pieds, dans la tête, un peu partout, pour que justement les sensations puissent s'apaiser toutes seules. Ok, Emeline, tu nous montres un peu comment ça peut fonctionner une régulation émotionnelle. Tout à fait, alors j'aime bien la notion d'émotif talentueux, donc on va parler du déconfinement. Qu'est-ce que ça fait aux parents, qu'est-ce que ça fait aux enfants? Donc, j'ai entendu Nicolas nous propose d'abord de parler vrai et de faire une réunion de famille et de poser qu'est-ce qui se passe pour chacun par rapport à ce déconfinement. Et si les parents eux-mêmes déjà commencent à être en stress, on va dire, j'ai entendu que Nicolas nous propose que ce soit d'abord les parents qui déconfinent et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, qui déconfine, qui régule. Donc, la régulation pour les parents, ben, ça ne va pas le faire devant les enfants. Ok, je vais m'occuper de mes émotions, là, je ne suis pas bien. Donc, je ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Et je laisse faire. Surtout, je laisse faire. Ensuite, quand on va repérer, entendre, alors soit par un comportement qui change, soit parce que l'enfant lui-même dit « Ah là là, j'ai pas envie de retourner, etc. » On peut lui proposer, on va lui proposer de réguler lui-même. Et comme le parent l'aura fait, peut-être, en tout cas en le disant dans la transparence, ça va l'aider à comprendre qu'il peut s'apaiser lui-même. Donc, on va lui proposer de fermer les yeux, de rester là où ça fait quelque chose dans son corps et de laisser faire. Et on va le soutenir beaucoup dans le laisser-faire pour l'éviter de repartir dans le va-et-vient entre les pensées. Donc, laisser faire dans le corps. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Ok. Ben, merci beaucoup. Comme quoi, finalement, la régulation, moins on en parle, plus ça marche. Demain, le thème... Sophie, tu te rappelles ce que c'est, vu que tu nous as fait un super play. Oh, on ne sait pas si on va culpabiliser ou pas, mais rien n'est moins sûr. Bien, un grand merci Nicolas. Merci, et puis Nicolas. À demain tout le monde. Salut. Merci, au revoir à tous. Au revoir.